Coucou tout le monde. Bon, alors, niveau santé. Premier jour de traitement d'anti-inflammatoire et deuxième jour de d'antihistaminique autre que celui que j'ai. Donc, ben, on voit de l'amélioration. C'est moins gonflé, celle-là n'a pas encore dégonflé. La gorge, ça, je sens que ça se raffermit. Au lieu d'être là, ça remontait. Là, c'est encore pas mal gonflé. Là aussi. Mais je sens que il y a un raffermissement de la gorge. C'est moi. J'ai toujours le chat dans la gorge. Et donc, bah, le principal, c'est que la trachée soit libre. Mais je lui dis, ça me gêne, ça m'étouffe, quoi. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment gêne dans la gorge. Bah, il y a Kira qui se manifeste aussi. Mais oui, mais on a changé la caisse, vas-y! Ou fais dodo. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire dodo? Bah fais dodo. Oui, c'est un chat qui discute. C'est vrai, hein? Là, je lui parle, il me répond. Oui. Voilà, je suis en petit t-shirt. Et short parce qu'on lave mon linge. Donc j'en profite que ce soit ma lessive. Et puis pas une lessive ordinaire puisque j'y suis allergique. Donc voilà. La lessive, ça me crée des sinusites chroniques. Et donc, mais très grave. Très, très grave. C'est à mettre le mouchoir en dessous le nez. Parce que ça coule d'un seul coup, quoi. Ça fait des poches de liquide dans les sinus. Et quand ça se perce, j'ai intérêt à avoir un mouchoir à proximité, quoi. Donc je n'en fais plus depuis des années. Parce que j'ai découvert les noix de lavage. Et j'ai remarqué que je faisais plus de sinusite. Donc j'ai compris que c'était la lessive. Donc comme je suis allergique à certains produits qui se trouvent dans la lessive, en fait c'est un agent chimique blanchissant. C'est des phosphates. Et je suis allergique aux phosphates, à un certain phosphate. Voilà. Donc, je fais ma lessive à l'ancienne.
Je fais de la lessive de cendre. Alors, la lessive de cendre, bah, c'est simple. Vous prenez des cendres de bois. Donc, j'ai la chance d'avoir mes parents qui ont un poêle à bois. Et bah, on recouvre la cendre d'eau. On fait une patouille. Hein. On attend que ça se repose, donc une nuit. Et le lendemain matin, on filtre l'eau et ça nous fait de la lessive. Parce que ça mousse. Ça mousse, ça nettoie bien. Si vraiment comme une lessive, hein, c'est. Il n'y a pas plus simple et sans. Sinon, pour les adoucissants, ça va, je suis pas allergique. Mais on peut aussi utiliser comme adoucissant du vinaigre blanc. Donc voilà. Donc, voilà, tous mes vêtements sont en train de se laver. Y compris les semelles de mes chaussures parce que ça. Voilà, franchement, je pouvais plus. Mais bon, comme il paraît qu'il va faire beau, bah, pour l'instant, on n'a pas trop chaud, hein, mais. Voilà, on fait ce qu'on peut. À votre. Vais prendre un verre de coca, tiens, donc il y en a. Après, il n'y en aura plus. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous-même qui est allergique à quelque chose. Moi, c'est les voies respiratoires et les paupières. Donc c'est un peu embêtant. Est-ce que c'est vraiment à la vôtre? Des mouches qui sont entrées. On a ouvert. Puis à 19 degrés, je dis à Jackie de fermer la fenêtre parce que. Et ça commençait à se rafraîchir. J'ai du mal à. Pardon. J'ai du mal à avaler. J'ai l'impression d'avoir un truc qui est resté bloqué. Ça, c'est le gonflement. J'espère que ça va faire effet son traitement parce que prendre 4 comprimés par jour. En une seule prise, bah ça on attaque fort, hein. J'espère que ça va faire effet. Parce que c'est complètement. C'est installé depuis longtemps, donc.
Pardon. C'est installé depuis longtemps. C'est dur, hein. Non, pas le truc qui est dur. Non, c'est tout mou. C'est dur, au niveau de la gorge. Pas marrant d'avoir un truc pareil quand même. Ah bah tiens, j'ai fait une carte, mais j'ai pas fini encore. Voilà, il y a marqué le printemps. Voilà. Normalement, là, je mets une tache parisienne. Et si je colle que la tache parisienne, ça devrait tourner. Dans la logique des choses. Ça fera une carte interactive. Bon, ben moi je suis debout depuis minuit. Je commence à avoir des signes de fatigue. Donc, bah, c'est pas grand-chose de nouveau, à part que j'ai pris mon traitement. Je vais essayer de le prendre pendant 5 jours. C'est 3 à 5 jours. Donc, faut que ça se raffermisse tout ça. Donc, c'est pas sans. Sans douleur, là, je le sens. Ça fait mal. Mais là, ça fait 80 mg. C'est un traitement de cheval qu'elle m'a mis. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Et voilà.